je suis Kim Cloutet, chargée de communication chez Codra. Donc Codra, nous sommes une société française qui existe depuis plus de 29 ans et nous sommes éditeurs et distributeurs du logiciel de supervision Panorama. Alors, cette année est venue confirmer certaines tendances déjà bien présentes en 2014, comme les solutions autour de la mobilité, donc avoir des informations depuis n'importe où et depuis n'importe quel device. Notamment d'autres axes majeurs comme l'utilisation d'interfaces de communication standardisées, avoir accès aux applications sécurisées, et notamment le déploiement du big data dû à l'augmentation des volumes de données. Codra va chercher à aider les exploitants pour qu'ils puissent améliorer leurs infrastructures et ainsi optimiser leurs bâtiments pour une meilleure performance énergétique. Alors, Codra présente sur IBS une nouvelle offre qui s'appelle Smart BMS. Donc, c'est une solution intégrée, autant logicielle que matérielle, qui permet de répondre aux besoins des Smart Cities, donc comme adapter la production aux usages, améliorer la performance des équipements, pouvoir optimiser les postes énergivores ou bien tout simplement partager l'information. Codra va sortir en 2016 Panorama Suite 2016 qui comprendra notre offre de supervision Panorama E2 mais également le lancement officiel de deux nouvelles offres qui seront Panorama Historian, un outil d'historisation de données et de reporting qui sera une offre autonome et une autre solution Panorama Com qui sera un frontal de télégestion autonome. Donc ces deux offres pourront être utilisées avec ou sans Panorama.